étudiants et étudiantes, première année universitaire, je vous propose le calcul d'une primitive sur un intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini, à en dehors d'intervalle. Alors je vais procéder à un changement de variable. Je vais écrire, je vais faire un changement de variable. T égale x moins 1. Ça me donne T2 égale x moins 1. De ça, je vais tirer x égale T2 plus 1. Et je prends la dérivée, ça me fait dx égale 2t dt. Je vais remplacer tout ça dans... Donc, la primitive va s'écrire, l'intégrale, dx sera 2 dt t dt sur x qui est t2 plus 1. Plus t. Le dénominateur, je vais le remplacer, donc ce sera donc t2 plus t plus 1. C'est quoi encore? C'est t plus 1 demi au carré. Donc plus 1 quart plus 3 quarts. Parce que si vous développez, vous allez avoir cette quantité. Donc, je vais remplacer f(x) égale 2 primitive de t dt. T plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Un autre changement de variable. U égale t plus 1 demi. Du égale dt. Et t égale u moins 1 demi. Donc je vais remplacer. Remplaçons ici. F de x va avoir donc 2 primitive 2. U moins 1 demi du, puisqu'il était, sur U2, hein, plus racine de 3 sur 2, mais au carré. Ça donne quoi? Ça donne 2 intégrale de u du sur u2 plus racine de 3 au carré. Moins du sur U2 par 3 sur 2 au carré.
Ça me donne encore f de x égale quoi? 2 du de u du sur u de v, c'est quoi? C'est u prime, c'est v prime, hein, sur v. Donc, c'est logarithme de U2 sur 3 quarts moins quoi? Ça on le connaît, hein? Faut voir le cours. C'est 2 sur racine de 3 arc tangente de U sur racine de 3 plus une constante K. Alors, le cours, qu'est-ce qu'il dit? Le cours, que dx x2 sur a2 égale sur A par arc tangente X sur A. Très important. Je vais continuer dans cette voie. Donc je vais écrire f de x égale. Donc, je vais remplacer le U par sa valeur. U, c'est T plus 1,5, plus 3K. C'est logarithme népérien de T2 plus T plus A. Puisque U2 égale T plus 1,5 au carré plus 3K. Moins 2 de 3 arc tangente de quoi? De t plus 1 sur racine de 3 plus k toujours. Mais je sais que la fonction elle varie en fonction de x, donc t je veux la remplacer par sa valeur qui est à racine de x. Donc racine de x moins 1. Ce sera donc x x moins 1 plus racine de x moins 1 plus 1 plus moins 2 sur racine de 3 arc tangente de 2 racine de x moins 1 plus 1. Pourquoi moins 1? Plus 1. Hein? Plus 1. Sur racine de 3. Ça, le résultat. Le résultat final. Je vous remercie de votre attention.